se pose. Attends, il veut se poser, il se pose. Arrête-toi. C'est les gars ce qu'il faut. Son arme dans son hélico. On va attendre que l'hélico se calme. Vous m'entendez là? Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux encore faire pour vous? Oh, jolie voiture dis donc là-bas. Où ça? Ce que je peux encore faire pour vous, il n'y a pas ce que encore faire pour vous monsieur. Vous croyez que c'est un endroit pour atterrir un hélicoptère monsieur? Pas le choix, c'est chez moi là en face. Bah c'est chez vous en face peut-être monsieur, mais il y a des... Il y a un héliport juste à côté à 100 mètres même pas. J'entends un véhicule là. Ça vous dérangerait pas de les faire hein. Ah c'est le nôtre, putain. Je vais pas faire le tour, hein. Je m'occupe. Donc monsieur, je vais procéder au contrôle. Procureur. Ouais bonjour. Tu dis oui. Hein. Vous pouvez avoir un mandat s'il vous plaît pour la maison de monsieur Sven Knopper. K-N-O. T-T-E-R-S. Oui, Sven. Ça va bien, merci. Ok les gars, on peut fouiller, on a le mandat. Ok, bah j'y vais. Hein. Ok, faites les araignées si vous en trouvez. Peut-être la poussière aussi. Donc, comme vous l'avez entendu, votre maison va être perquisitionnée par mes deux agents. Donc si on trouve quelquefois, bah... Ça, on va le voir dans deux minutes. C'est aujourd'hui. Ouais, avec la poussière, tant qu'à faire, il faudra le faire. Ok, je force la porte, elle est fermée. Prépare-toi, on sait jamais ce qui peut se passer. Votre sac, là. Encore un petit peu et c'est bon. Tant que j'arrive à ouvrir. Attention. Prépare-toi. C'est bon. C'est vite. Ok. Quoi? J'aurais pu dire que c'était l'autre. Pareil. Pareil, la porte elle est fermée. Meublé chez vous monsieur hein. Alors, je vous dis que je viens de l'acheter, c'est pour rien. Tout le monde le voit ce message. Sur votre gauche, vous pouvez pas l'enlever. Tout le monde quoi? Tout le monde le voit le message, Sven Knopper, votre maison est hyperquisitionnée. Ouais je pense. Non. Enfin je sais pas, ouais c'est... Bah moi je l'ai en fait. Sérieux? Ah mais toi t'es en civil. Ouais, donc ouais, tout le monde le voit. Ok. Non, y'a rien du tout. Ça doit être sur l'extérieur. Oh, rien à signaler, hein. Ouais, ouais. Mettre une lampe là. Petit tableau là sur le fond. Et puis, si j'ai envie d'aller pisser, je pisse chez les voisins. Ouais, je ferme tout. Verrouillez votre maison, monsieur. Vous avez les clés? Ouais. Donc, bah, monsieur, n'oubliez pas que la prochaine fois, vous avez un aéroport juste devant chez vous, monsieur. Et qu'on vous reprenne pas avec une arme illégale sur vous. C'est pas illégal, c'est familial. Ouais, mais c'est quand même illégal. Illégal hein. Ou... Ouais, c'est illégal, je veux rien savoir. Bon, allez, monsieur. Vous saurez que la prochaine fois, d'avoir coopéré, le calibre autorisé, c'est pas au-dessus de 9 mm, monsieur. Ouais, bonne journée. Ouais, c'est du 7 mm. 7,62. Alors, qu'est-ce que vous me faites là?
pas interdit un rassemblement comme ça. Aussi. Allez, messieurs, je veux vous voir tout le monde là le long du mur là. Qu'est-ce que vous nous faites là? Les mains sur la tête, on va procéder à la fouille. C'est pas un rassemblement de tuning les gars hein. Allez messieurs. Allez, votre quoi ça tout. Allez, hop, un petit pipi. Sans les mains. Oula, ouais. Bon allez, tout le monde des menottes. Alors pour que t'arrives à pisser debout. Ah, menotter tout le monde. Bah moi je peux pas. T'as vraiment vous menotter là. Bon messieurs. C'est quoi ça ce bouclage de route là? On arrive, on peut même pas passer, c'est quoi ce délire là? Ah monsieur, t'as juste déposé l'argent monsieur, on repartait. Ah mais faut se garer comme vous là. Non, l'argent des diamants. On ne touche pas la drogue monsieur. C'est bien, au moins vous faites ça bien. Fais gaffe, ta tête elle est dans le mur hein. Vous avez tous la tête dans le mur. Il y en a qui sont passés le mur quoi. Bah alors. Je peux que chacun me donne les clés des véhicules s'il vous plaît. Voilà, vous les avez. À qui monsieur? Faut les reculer là, ils sont bloqués. Monsieur. Qu'est-ce que vous avez mademoiselle, vous êtes blessée? Allez, j'ai que deux clés là. Oh, allez, il manque une case. Voilà, parfait. Bon les gars, j'ai procédé à la fouille. Ça met 203. Vous en prie, monsieur. Rien. Mais pourquoi on m'emmène? Vous avez traversé le mur, c'est normal, je vous remets devant. Rien. D'accord. Une bouteille de bacon. Ne vous inquiétez pas. Rien. Rien. Ok, les véhicules sont clean, les gars. Bon, marcher avec les menottes, c'est ok, pas a priori, vous êtes tous clean. Par contre, ça sera juste un avertissement. On va pas vous mettre une amende à chacun parce que ça vous ferait mal la tête, je pense. La prochaine fois, garez-vous mieux, messieurs, dames. J'entends un véhicule. Ah, vous êtes garé en plein milieu, on pouvait même pas passer. Et voilà, on va un peu de vos véhicules. En tout cas, très belle voiture. Hein. Ah, bonjour monsieur. Coupez le contact. Ah, bien, sortez du véhicule s'il vous plaît. Somebody help me. Ah, bien. Bon, messieurs, j'oublie mes bonnettes. Vous pouvez me modder s'il vous plaît. Bon, allez, bonne journée, capitaine. Bonne journée, oui. Bonne journée. Tout le monde est démenotté parce que je crois que j'en vois pas et il y en a qui ont disparu là, je crois. Tiens, Jaro, dis-lui c'est droit au petit bonhomme là. Pourquoi? Bah, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je le menotte? Ah, ouais, mais je peux pas le fouiller ni quoi que ce soit. Ok. Il va falloir juste qu'il me donne les clés du véhicule et que je vois ce qu'il y a dedans. Manuel, t'as vu tes jambes, hein. Vous pouvez donner les clés du véhicule à mon collègue s'il vous plaît? Allez, circuler tous ces véhicules là, messieurs. Comment? Alors, monsieur Stravinsky, c'est ça Oui, oui, c'est ça. Ouais, monsieur Igor Stravinsky. Oui. Vous pouvez me donner la clé du véhicule, s'il vous plaît? Emmanuel. Bon, rien à signaler sur lui, hein. Emmanuel, tu pensais du 18 ou du 19? Excusez-moi. Qui je dois donner les clés? Ah, monsieur Spencer, s'il vous plaît. Je te laisse terminer, il a rien sur lui. Juste le véhicule à fouiller, c'est bon. Ok, d'accord. Allez-y! Très bien, je fouille le coffre. Le véhicule doit être vidé maintenant. Il y a rien dedans. Allez-y, reculez! Bon, il y a rien du tout, les gars, il est clean. Deux personnes qui sont encore. Oh, il y a un véhicule qui se fait la malle là-bas. Non, je leur ai dit qu'ils se barrent. Vous pouvez pas y aller? Vous pouvez y aller, capitaine? Ouais, c'est bon, vous pouvez y aller. Allez-y, 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 messieurs.
Mais tout le monde est démenoté parce que ils sont où vos autres collègues là? Ah bah, y en a qui, ah ouais, je les vois plus, je crois. Il y en a une qui est là là. Ok, ok, ok. Messieurs, on est encore menottés. Bah madame, eh mais messieurs dames, faut le dire, vous êtes encore là. Levez les menottes, s'il vous plaît. Faut le dire. C'est ah bon. Oui, il y en avait deux que je voyais pas alors. Mais oui, ils étaient cachés. Au fait les gars, le stuff qu'il a, Randall Reader, il est illégal. Hein. Ah ouais, c'est Il est complet illégal. Nouveau véhicule. Oh what the fuck. Général, qu'est-ce qui vous arrive là? C'est quoi ce véhicule? J'ai des petits problèmes de véhicule. Oh, oh pinaise, et qu'est-ce que c'est de ça? Et c'est tout bugué. Vous les l'air, regardez, c'est les... Oh pinaise. N'empêche, c'est efficace, hein. Du 170 millions de tech, vous les l'air. C'est efficace, au moins on peut mettre des coups de roue pendant que tu roules. J'y vais. Ok, ça marche. Vous êtes bien mort mon hélico, Alan. Attends deux secondes. Mais par contre, si tu lâches et qu'il a des menottes, il va mourir. Comme ça. Oups. Je prends les mettre des menottes sous l'eau. Le mec. Bon, James, t'as ouais, venez prendre la baignade, elle est bonne. Venez faire la baignade, c'est bon. James, ça sert à rien, t'arrives pas à pousser les gens ici sur ça. Ça va, Tony? Wow, c'est le con. Dis donc. Oh putain. Oh putain. T'as failli y passer, là. Bon, je veux pas dire, mais il volait aussi dans l'eau. Hein. Il vole. T'as vu ce qu'il non, a fait. Alors moi je te dis juste GG parce que maintenant Tony va devoir me redonner une arme. Même et pas, il y en a une par terre. Allez, par terre, ton arme. Les gars. Vous arrivez à réanimer? C'est bon, c'est elle bon. Est par terre, ton arme. Elle a même pas des pop quoi. Ah bon, elle est où? Ouais, putain, ouais. Rien. Vu comment il a volé, elle a pas le temps de dépop. C'est rare. Attends, je vais la mettre sur mon dos pour pas qu'il la perde. Voilà, je te la passe dès que t'arrives à Ivomer. Félicitations en général. What? Ouais, j'ai pseudo respawn avec une...